Top. Quel ministre est accusé d'avoir nourri l'homophobie par son ancienne opposition au mariage pour tous? Elle a été nommée à la tête du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. C'est... Catherine Vautrin, bonne réponse. Depuis son arrivée au gouvernement, elle a été la cible de nombreuses critiques parce qu'elle avait voté en 2013 contre la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe et participé à l'époque à la manif pour tous. Même si en 2023 elle est revenue sur sa position, pour le coprésident de SOS Homophobie, c'est la douche froide. En effet, jusqu'ici c'était plutôt bien parti pour la communauté LGBT, avec le symbole Gabriel Attal, premier ministre ayant publiquement évoqué son homosexualité, mais pour SOS Homophobie, l'entrée au gouvernement de figures ouvertement hostiles aux droits LGBT inquiète. Nous sommes extrêmement inquiets parce que cette personne, par son positionnement, a nourri l'homophobie. Rachida Dati aussi est concernée, puisqu'elle a déclaré en 2019 que l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes était un risque de fracture de la société.